Bonjour, je m'appelle Manu, je fais de la radio depuis de nombreuses années, dans un seul but, pouvoir un jour conduire un bus. Et ce jour est arrivé. Les Petits Princes, moi je les suis depuis 4-5 ans maintenant. Ils avaient commencé simplement à me demander si je pouvais les aider sur un rêve d'un enfant. Et puis depuis, dès que je peux les aider, je les aide. Je viens de passer là une heure de conduite avec le bus. C'était assez dangereux, j'avoue, puisque j'étais avec une femme au volant qui est alcoolique, qui s'appelle Salomé Lagrelle. Je peux donner son nom maintenant. J'ai réussi à ne pas cracher le bus, alors que l'année dernière, effectivement, il y a eu peut-être, j'ai dit bien peut-être, que l'année dernière, il y avait eu un souci. C'était pas une envie, c'était un vrai défi que je m'étais donné, de réussir à pas cracher le bus. Je suis heureux, j'ai fait pas mal de jeux vidéo. Celui-là, ça reste quand même, aujourd'hui, c'est reconnu dans le monde entier comme le jeu vidéo le plus difficile du monde. Peu de gens sont arrivés au terme, c'est normal parce que ça reste aussi le jeu vidéo le plus chiant du monde. Et là, aujourd'hui, on a quand même réussi quelque chose peut-être d'historique. Voilà, réussir à conduire ce bus de merde. Pardon. Alors écoute, c'est un jeu auquel moi j'ai donné moins 16 étoiles. C'est vrai que c'est extrêmement rare de pouvoir donner des étoiles négatives. Pourtant, ce jeu les mérite. Il est chiant. Les graphismes sont bidons. On s'emmerde. On peut jouer à plusieurs, mais on va tuer la personne avec qui on joue. Donc, c'est le jeu aujourd'hui qui peut vous amener, si vous êtes dépressif, effectivement, à traverser la falaise.